Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve en ce samedi pour un nouvel épisode sur la Ma Ferme All Stream. Je vous montre et je vous explique bien sûr tout ça juste après l'intro. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve ce samedi pour un nouvel épisode sur la map All Stream Farm, bien sûr, les amis. On se retrouve sur l'interface des cochons. J'ai tout ressemé, voilà, j'ai ressemé un petit peu de tout. Voilà, vous verrez ça ultérieurement. J'ai ressemé du sorgho, j'ai ressemé du maïs, j'ai ressemé de l'herbe encore. Enfin, plein de choses, plein de choses, les gars. Wouh! N'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie, on a dépassé les 12 300 abonnés, merci à vous, vraiment du fond du cœur, merci à tous ceux qui font des dons, à tous ceux qui sub, aussi à tous ceux qui participent bien sûr et qui prennent le DLC Kubota, je vous le mets à l'écran, voilà, de suite, tac, c'est fait, il y a avec mon code partenaire bien sûr cette Farmer, il y a aussi mon site internet, voilà, cette Farmer 12, l'Instagram, cette Farmer 12, voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent et je vous en remercie donc. Au programme, on va vendre des cochons. Regardez, il en reste 5. Il en reste encore 15. On va pouvoir en rentrer 15 encore dans la bétaillère de mon petit Corentin. Voilà, on verra. Regardez, les limousines aussi. J'ai vendu 10 millilitres de lait. On va, sans plus tarder, réduire à nouveau. Regardez, on est à 18 560 euros. On va rembourser le crédit encore et encore et toujours. Voilà. Allez, c'est parti. On va... Donc, monter dans le petit fend. On moissonnera bien sûr après, puisque les blés sont prêts. Je suis passé au mois de juillet. On fera, bien sûr, on va nourrir les vaches aussi. Donc, dans cet épisode, voilà, on a plein de choses à faire. Je vais passer par là juste. Et lors du live, voilà, je tiens à m'excuser, ça a encore coupé plein de fois. Voilà, je voulais vous montrer ce petit truc voilà, que j'ai téléchargé. J'ai commencé, regardez, à tondre. Hop, je m'arrête là, vite fait, bien fait. Tac, je m'arrête là, regardez. La tondeuse, je vais juste couper la moissonneuse pour pas qu'elle tourne pour rien. Voilà, parce que... Ah ben oui, si c'est bon, je peux monter. Hop, voilà. Donc je coupe. On moissonnera bien sûr le blé après. Ici, j'ai tout ressemé. Je vous montrerai, mais je peux vous montrer. Mais bon, j'ai tout ressemé. Voilà, tout est 100%. Tout est plombé. Ici, c'est le sorgho. Voilà. Ensuite, on va ramasser les blés, bien sûr, les blés. Et bien évidemment, les colzas. Voilà, qui sont prêts, donc du coup, dans cet épisode, plein de choses encore à faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, cette série vous plaît. Voilà, je me suis troué parce que j'ai fait un test. Je voulais tester, pour être honnête avec vous, je voulais tester le F10, voir si ça fonctionnait ou pas. Et ça fonctionne, voilà, tout simplement, ça fonctionne. Je l'enlèverai. Ne vous inquiétez pas, je l'enlèverai ou je le laisserai, je verrai. C'est que du maïs. Bon, voilà, je voulais tester du maïs pour voir si ça fonctionnait. Donc, on est toujours en mode saison 4 jours. Ici, l'herbe pousse tranquillement. Là-haut, elle est prête. Voilà, on est au mois de juillet et on est au dernier jour du mois de juillet. On va passer bientôt au mois d'août. Voilà, donc j'ai quand même pas mal avancé de mon côté. De mon côté, tranquillement. Voilà, donc on va vendre les cochons. Donc, ça, c'est la partie. Bien évidemment, on engrange de l'argent. Donc, ça, c'est cool. On pourra vendre, bien sûr, les céréales. Mais on verra parce que, suivant la fluctuation des prix, je ne peux pas les vendre maintenant. Ça dépend, bien évidemment, voilà, du temps. Ça dépend, voilà, quand est-ce qu'on peut ou pas que les céréales soient au meilleur prix, quoi, voyez. Donc il faut regarder, voilà, il faut regarder la bonne fluctuation des prix. Je note à chaque fois, bien évidemment les prix et les mois de mon côté, comme ça je suis sûr de ne pas me planter, parce que souvent j'oublie. Après on passe les jours et c'est vrai qu'on avance au fur et à mesure, que ce soit en live ou en épisode, on avance et on se rappelle plus, bien sûr, à mince, et puis on zappe, on squeeze. Et aussi, ah ben merde, voilà, c'était là qu'il fallait vendre le sorgho, c'est là qu'il fallait vendre le blé ou l'orge, etc., etc. On va en garder, bien évidemment, pour les cochons. On a de la betterave. On fera peut-être des pommes de terre pour les cochons. On verra en fonction de la disponibilité des champs, ce qui va nous en rester, du coup,
On va avoir quelques champs de disponibles, puisqu'il y a du blé sur deux parcelles, il y a du colza sur deux parcelles aussi. Ce que je pensais faire, c'est faire des pommes de terre derrière la stabulation des vaches limousines. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je n'ai pas, bien évidemment, de semoir à pommes de terre, donc on verra ça en temps et en heure voulu. Demain après-midi, donc demain matin, bien sûr, live Morning Farm à 9h. Voilà, les amis, soyez bien présents. Voilà, sur la map, sur Off Berman, voilà. Il va falloir. Donc, je vais vous mettre. Vous aurez vu sur Instagram, il y aura eu le petit sondage pour l'enrubaneuse. Voilà, tout simplement. Donc, au choix, une enrubaneuse. Regardez nos petits gorées, comme ils sont beaux, là. Oh là là, comme ils sont beaux, les petits gorées. Donc, on arrive ici. C'est vrai que venir à chaque fois ici, ça prend du temps. Alors, peut-être que le deuxième aller-retour, on le fera. Attendez, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà, voilà, regardez comme c'est magnifique. Et là, alors il faut que je recule parce que le trigger est devant, voilà. Donc ici, ça ne va pas nous faire énorme, mais on les vend quand même parce que c'est ça qui est bon, voilà, c'est ça qui est bien. Hein, donc c'est qu'on peut vendre les cochons. Donc du coup, par 15. Donc je vous ferai peut-être un accéléré. X, on va refermer. Donc là, on va voir combien ça nous a rapporté. Ben, 10 000 euros, regardez. On peut rembourser 5 000 euros. On va refaire un autre voyage. Alors, pour que ça soit plus simple, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire avec vous, j'aimerais quand même qu'on puisse moissonner, qu'on puisse nourrir les vaches, etc., etc. Et pour pas faire un épisode, bien sûr, trop long, je vous retrouve juste après le petit accéléré. A tout de suite, les amis. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Ce petit accéléré, voilà, vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner. J'adore vraiment cette map. Je kiffe cette map. Et la série en elle-même, voilà, on avance bien. Là, on va rentrer donc à la ferme. On va nettoyer, bien sûr, pour rester au plus près du réalisme. Voilà, on va nettoyer, bien sûr, la bétaillère. Voilà, on regarde, on met le quignon.
J'adore ce tracteur. J'adore, franchement, les fans sont vraiment excellentissimes, quoi. On va, ouais, on va faire comme en vrai. Voilà, on va, puisqu'on s'est servi de la bétaillère, donc on va la nettoyer. Ensuite, on va aller nourrir les animaux. On finira par la moisson. J'espère que j'aurai le temps. Voilà. En tout cas, en mettant un petit accéléré, c'est vrai que c'est plus simple. Pour moi, c'est plus simple. Et puis, ça vous permet de voir un petit peu plus. Je l'ai pas ouvert. Attendez, on va l'ouvrir. Voilà. Ça va s'ouvrir tranquillement. Et on va essayer de le faire. Voilà, ça s'ouvre. Comme en vrai, voilà, on va regarder la nettoyer. Je reviens un petit peu au sol. Voilà. Histoire de extérieur, intérieur. Hop, regardez, on va nettoyer l'extérieur. Magnifique bétaillère ponge. C'est celle de mon ami Corentin, celle-là. Donc, je crois qu'elle est en ligne. Ou si elle n'est pas en DL, elle, ne vous inquiétez pas. Elle le sera un de ces jours. Et puis, vous avez le pack ponge de l'ami Bruno. Voilà, tout simplement. Regardez, on nettoie tranquillement. Voilà. Hop, hop, hop. C'est vite fait. Ça ne prend pas de temps. Ça ne mange pas de pain. Et croyez-moi, je l'ai fait plus d'une fois. Nettoyer en vrai les bétaillères, c'est une tannasse, tu finis tout mouillé. Ben voilà, donc du coup, voilà. Allez, on va la rentrer, on va refermer, on va la rentrer, vous allez voir, on va la rentrer ici, on va se remettre en place, et je vais la remettre, ouais, ici. Bon, pour l'instant, je vais la mettre là, vous inquiétez pas. Après, je vais attraper la presse, et pour attraper la presse, il va falloir que je pousse la bétaillère. Donc, je l'ai sortie, je vais pas pouvoir la rentrer, mais c'est pas grave, je vais la mettre là, c'est pas gênant. Allez, on va pouvoir refaire du fouet, on va pouvoir refaire aussi de la paille, puisqu'il va falloir à nouveau bon, de la paille. Ensuite, là, on va mettre donc une ration totale mélangée aux limousines. Les limousines, ne vous inquiétez pas, on en remettra. Ce que je vais faire dans la foulée, attendez, hop, on va atteler le bol mélangeur, parce qu'il faut donner de l'alimentation à tout le monde. Voilà, on va le faire tourner, on va se remettre en piste, vous allez voir. Du coup, le fouet de là-bas, c'est celui de cette année, donc on ne va pas le toucher. Là, j'ai le tournoisier, bon, bien sûr, je ne l'ai pas enlevé. Je l'enlèverai parce que je veux le nettoyer. Donc voilà, il est resté là pour le moment. Il y aura du lisier à nouveau, hein, ne vous inquiétez pas, les gars. Il y aura du lisier, du fumier. Il faut curer la stabulation. C'est vrai que je voulais le faire dans l'épisode, mais ça va faire trop long après. Parce que c'est vrai que j'essaie de rester sur un format 20 minutes. Et c'est vrai que même en restant sur un format 20 minutes, on n'a pas le temps de faire 50 000 choses. Donc je sélectionne aussi un petit peu les activités que je fais avec vous en vidéo. Voilà, j'essaie de faire avec des activités diverses et variées parce que c'est important aussi. Comme ça, c'est vrai que vous voyez plein de choses et sur l'épisode et comme ça, ça évite de se lasser aussi, hein, tout simplement. Allez, on va mettre une botte de foin. Normalement, je l'ai activée, la machine, donc elle va bien sûr broyer la botte de foin, hein. La botte de paille et aussi la botte de foin. Regardez, il y en a du foin encore en stock. Hein. On en vendra, je pense. Je vais en prendre deux. Regardez, avec une, ça suffit. On en vendra, je pense, un peu de foin. On verra aussi en fonction de la fluctuation de prix. C'est toujours pareil. Ce que je voulais faire aussi avec vous avant de continuer, vous verrez un petit peu ce que ça nous a rapporté. Donc, les limousines, regardez, 23 000 euros. Regardez, on rembourse encore le crédit. On est pas loin, voilà, avec 3 000 euros ça suffit, on est à 115 000 euros. L'objectif, je descends le crédit au max parce que j'aimerais avoir. Parce qu'on a vraiment tout le matériel, on a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, du coup, maintenant le crédit, on n'en a plus besoin en fait. C'était vraiment l'objectif de la série, bien évidemment, de réduire ce crédit parce que c'est vrai que c'est une tannasse, quoi. Ça coûte de l'argent tous les mois. Et c'est important, voilà, de le réduire au maxi. Hop, regardez, je vais me mettre là. On va descendre. Attendez, on va ouvrir la porte. On fait ça comme il faut, c'est quand même. Et hop, on coup de cutter. Voilà. Allez, je laisse la porte ouverte, c'est pas grave. Hop, ça va pouvoir mettre deux bottes enrubannées. Ensuite, on ira mettre, bien sûr, il va falloir recommander aussi, je sais pas où c'est que j'en suis, mais de l'aliment, parce que ben vous savez que pour alimenter les vaches, pour avoir une ration totale mélangée équilibrée, il faut de l'alimentation, il faut des minéraux. Je sais plus où c'est que j'en suis des minéraux. Il va falloir que je regarde si j'en ai ou pas en stock. Si j'en ai pas, il va falloir en recommander, et donc du coup il va falloir de l'argent. C'est pour ça que je laisse en général, ouais, 3 000 3 000 4 000 euros sur le compte. C'est énorme, vous me direz, parce que sur une exploitation agricole, il n'y a pas autant de fonds, je dirais, sur le compte. Mais bon, là, on est sur farming, donc voilà. Mais quand même, on essaie de faire les choses, voilà, relativement, comment dirais-je, au plus près, on va dire au plus près de la réalité. C'est important. Je sais que cette série,
Moi, je la kiffe comme ça, hein, vraiment, mais sur toutes mes séries, hein, d'ailleurs. Allez, on va, hop, baisser ça. Tac, on l'éteint. Parce que le gasoil, actuellement, c'est très cher. Donc, on fait pareil, hein, pareil. Hein. Alors là, on va pouvoir fermer la porte au goré. Hop, voilà. On l'écurera plus tard. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de fumier. 16 500 litres, hop, c'est parfait. Vous allez voir, on va arriver. Hop, on va aller là-bas. Je vais fermer la porte. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas les bruits de porte sur ces tracteurs. C'est un peu dommage. Ça éviterait de... Ça éviterait... Bon, je ne les mets pas au montage, mais... Parce qu'on n'est pas dans un roleplay, mais... Non, mais bon, ce serait sympa, quoi. Alors, au niveau des vaches laitières, on a ce qu'il faut comme alimentation pour l'eau. Il y en a, elles en manquent pas. Même si je vais j'en rajouterai en off, bien évidemment. Mais on va aller faire les limousines, parce que les limousines sont vraiment en manque d'alimentation totale mélangée. Donc, voilà, les amis. Et je pense que je devrais arriver à vider, normalement, si tout va bien. Alors, peut-être pas le bol entier. Oh, remarquez peut-être que si. Ah, c'est en vue intérieure. Allez, c'est super joli, n'empêche. Hein. On fait ça bien. Hein. On essaie de faire ça bien. Comme ça, au moins. Moi, je trouve que ça fait... on fermera la barrière après, ne vous inquiétez pas. Hop, ici, on revient. Voilà. Vous voyez, si vous êtes hors trigger, bien sûr, ça s'arrête. Marche avant, marche arrière. Ça fonctionne très, très bien. Et puis, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, ça. Nourrir les vaches avec vous. Parce que ben il faut que je les nourris souvent en off, mais je les nourris pas souvent en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, comme je dis, à mettre un gros pouce bleu, bien sûr, ça m'aide, et bien sûr à vous abonner, et la chaîne grandit petit à petit. Donc ça, c'est cool. Allez, le panneur à fumier, je l'avais laissé là. Du coup, on va faire ça comme ça pour pas abîmer quoi que ce soit. Parce que vous avez vu que dans le petit accéléré, j'ai besoin d'attention, j'ai accroché le bol d'essileur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, je voudrais vous montrer, voilà, ce petit truc-là. Alors, du coup, vous voyez, comme quoi on récupère tout sur une exploitation agricole. L'herbe que je fauche avec, enfin, entre guillemets, que je tonds, vous allez voir, je l'amène aux limousines. Je vais pas le faire là parce que il roule qu'à 12 km/h. Mais, vous voyez, hop, c'est parti. Allez, c'est parti, ça tombe. Et ça marche super bien. C'est génial, ça. Regardez, hop. Et puis ça fait plus propre, je trouve que ça fait vachement plus propre, le petit cantou là, je le nettoie, voilà, je l'ai nettoyé, j'avais commencé là-bas pour le tester, j'avais commencé pour tester si ça fonctionnait bien ou pas, et vous voyez, ça fonctionne super bien, ça fait plus propre, on tend un peu les abords de la ferme, de l'exploitation, je sais que les agriculteurs le font aussi, donc c'est cool, donc du coup, j'essaie de faire un petit peu pareil, voilà, pour être, comme je vous dis, au plus près, bien sûr, de la réalité. Le dernier épisode est pas loin des 1000 vues. L'ensilage un petit peu spécial, un petit peu particulier. C'est vrai que j'avais jamais fait ça encore sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, hein, je sais que mon petit Jérémy, lui, le fait régulièrement. Moi, je l'avais pas encore fait. Hop là, vous voyez, on va reculer. Je vous remets pas la TH, mais je pourrais. Et vous allez voir que quand il va être plein, après, ben, on va pouvoir aller vider. Ouais, si, allez, on va aller vider. On va aller vider, vous allez voir. Je sais pas si on va pas le... j'espère que je vais arriver à la fin, quoi. Simplement, ouais. Parce que c'est vrai que... Regardez, hop là, voilà, nickel. Vous voyez, ça fait plus propre, quoi. Ça fait vraiment, vraiment plus propre. On tombe l'arbre, voilà, les abords de l'arbre. Je trouve que c'est quand même plus propre. Et puis, vous pouvez tondre partout, hein. Vous voyez, j'avais commencé à le faire là. J'avais tondu ici, histoire de, voilà, que ça soit propre. Et vous voyez, ça marcherait très bien. Donc c'est cool, j'ai passé comme ça les abords de la ferme j'ai pu récupérer de l'herbe. Vous allez voir, on va aller l'amener sans plus tarder, vous allez voir, même si c'est pas plein, c'est pas grave. On va aller l'amener, vous allez voir, aux limousines et ça marche très bien. Ce qui fait qu'on peut récupérer de l'herbe et ouais, en profite, les vaches en profitent et tout le monde en profite, quoi. Donc ça c'est cool, même les laitières, hein, j'aurais pu le mettre aux laitières, ça marche très très bien aussi. Et ça fait de l'herbe. Donc on a une ration à peu près vraiment équilibrée au niveau des animaux. On a une ration où il y a de tout. Ben, il y a du foin, il y a de l'ensilage, ben, de la ration totale mélangée, il y a de l'herbe. Et ça, c'est cool, quoi. Vous voyez, vous allez voir, hop, on va venir ici et on fait I. Et ça fonctionne très bien. Voilà, tout simplement, les amis. Regardez. Tac, 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 tac. On avance, ça vide. Je vais vous montrer au niveau des limousines que j'ai bien de l'herbe. Hop là, voilà. Regardez. Je vous montre au niveau des animaux, regardez les limousines, il y a de l'herbe, il y a 40% d'herbe. Et vous voyez, ça fait une ration, vraiment, on a du foin, on a
de l'herbe, on a tout, on a la ration totale mélangée. On en amènera bien sûr Oui, j'en avais déjà mis de l'herbe, vous voyez, aux laitières. Donc ça, c'est cool. Regardez, 35 mois, c'est ce que je voulais voir avec vous. J'ai des vaches qui ont 41 mois. Vous voyez, donc même plus, 23 mois. C'est cool. Franchement, 1500 euros, regardez, 35 mois. On ne les vendra pas. On ne les vendra pas pour le moment, on va dire, parce que j'ai des petites. Mais j'en ai pas assez encore. Donc, c'est pour avoir le cheptel, je dirais, le cheptel est en équilibre, entre guillemets. Et ça, vous devez d'abord démarrer. Oui. Allez, on y va. On va commencer on va continuer, bien sûr, voilà, ramasser le blé. J'avais oublié de le nettoyer. C'est pas cool. J'aurais dû y penser. J'ai complètement zappé. Et une fois que c'était, en fait, si vous voulez, une fois que j'ai vu qu'il y avait de la mauvaise herbe, c'était trop tard. J'ai pas pu le pulvériser. Et j'avais pas envie de le pulvériser avec de l'herbicide. Donc, j'ai laissé courir les mauvaises herbes. C'est un blé bio, 100% bio. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est pareil. J'espère qu'il y aura du rendement parce que on a besoin de paille. On a besoin de paille et on a besoin aussi de céréales pour pouvoir alimenter, bien sûr, les animaux, notamment les cochons, mais aussi les poules. Voilà, parce que les poules, elles ont besoin de blé, de céréales pour pouvoir pondre des œufs. Donc ça, c'est important d'avoir un équilibre dans les céréales, bien évidemment. C'est pour ça que j'essaye de faire une multitude de céréales, bien sûr, sur l'exploitation. On n'a pas non plus énormément de champs, mais on a quand même un peu. Donc j'essaie de me débrouiller pour pouvoir semer un petit peu de tout, partout. Voilà, tout simplement, les amis. En tout cas, voilà, donc je le dis, je le redis, merci à tous ceux qui vont sur mon site internet. Voilà, n'hésitez pas à télécharger les mods qu'il y a pour le moment dessus. J'en trouve pas forcément des sympas actuellement, donc j'en mets pas forcément. J'ai mis des fins de dernièrement, donc n'hésitez pas à les checker. Il y a tout, en grande partie, tout le matériel que je me sers, vous avez vraiment tout. Et ça fonctionne. Donc PC console, les gars. Hein. Donc vous pouvez y aller, PC console. Je sais que mon poteau Anto avait testé. Et ça marche très très bien. Il a pu télécharger des mods sur mon site, ou ceux qui sont compatibles, bien sûr, console. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas aussi, voilà, si vous voulez commander le DLC Kubota ou le jeu, vous avez mon code partenaire 7 Farmer. Voilà. Et je vous en remercie, bien sûr, d'avance. Merci à tous ceux qui font des dons et merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes bienvenue sur la chaîne du Geek du Soleil. Voilà, 7 Farmer 12, simplement. Et merci à vous, vraiment du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui ont été là lors des lives, qui sont là lors des lives, qui sont présents, tout le temps présents lors des lives, qui mettent des gros pouces bleus. Voilà, parce que ça nous aide. Voilà, un pouce bleu, c'est gratuit. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et bien sûr, quand on voit que les vidéos font entre 800 et 1000 vues par épisode et qu'il n'y a que 200 pouces bleus, ça fait un peu râler parce que on se dit, ouais, il y a quand même 400, 500, 600 personnes qui ont pas mis, qui ont vu l'épisode, mais qui n'ont pas mis de pouces bleus. Alors, c'est un peu râlant. Voilà, c'est un peu râlant. Voilà, ouais, on me dirait, c'est un petit leur pire froid, quoi. Mets ton pouce bleu, sinon, oh. Passez bien sûr le bonjour à la Farming Family. Je souhaite bien sûr encore, c'était jeudi, bien évidemment, un très 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 bon anniversaire à mon poteau JP Farmer. Voilà, je lui fais un gros bisou et on va essayer bien sûr avec les poteaux de le gâter un petit peu, de le gâter. Voilà, il verra ça, de le gâter. Bon, on va essayer de le gâter un peu quand même. Oh, il faut le gâter le genou. Voilà, en tout cas, voilà, félicitations GG à lui et encore un très très bon anniversaire, mon ami, même si je t'ai écrit bien évidemment en privé pour te le souhaiter, je te le souhaite bien sûr en épisode. Voilà, tout simplement. Écoutez les amis, on va pas faire plus long malheureusement pour ce petit épisode. Moi, je vais ramasser ça de mon côté en off. J'espère que la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant. Il y aura forcément un live la semaine prochaine en espérant que Orange tienne le coup parce que sinon ça me gonflait sérieusement. On se retrouvera bien sûr dimanche pour le Morning Farm sur la map of Vermont. On ne se retrouvera pas sur All Stream Farm, bien évidemment, mais sur la map bel et bien off Berman. La semaine prochaine, vous aurez un autre épisode, bien sûr, il est déjà pris, de la poule aux œufs d'or. Ne vous inquiétez pas, jeudi prochain, voilà, rendez-vous pour la poule aux œufs d'or. Ensuite, un live dans la semaine. Oui, un live dans la semaine, bien évidemment, vous aurez tout ça, et vous serez bien sûr au courant sur Instagram. Voilà, suivez-moi sur Instagram à 7farmer12. Je mets tous mes posts sur Instagram, j'essaie de faire des posts assez jolis, avec de la musique, avec des animations, avec des personnes qui dansent et tout, voilà, comme ceux qui savent, bien évidemment.
pour ceux qui savent bien évidemment, voilà, vous êtes au courant. Voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment pour tout, vraiment pour tous ces beaux retours que vous m'offrez, que vous m'apportez, voilà, pour tout votre soutien aussi. Franchement, c'est juste un régal. Je ne pensais pas que cette aventure farming pouvait être, bien sûr, aussi merveilleuse en votre compagnie, les gars. Et vraiment, pour tout ça, je vous remercie du fond du cœur. C'est cette Farmer 12, le geek du soleil. Je vous souhaite, bien sûr, un très, très, très bon week-end. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye, bye.